Je pense que l'USMA est très loin avec un seul point, mais je pense que c'est une équipe qui peut revenir. C'est un grand club et avec de la patience, du métier, ils peuvent revenir dans le cours du championnat comme ils l'ont fait déjà l'année passée. Oui, parce que la certitude, on a vu le tableau qu'on va vous corriger d'ailleurs, mais on a vu ce tableau de classement. Ce qui est certain, Rabat, c'est que dans cette première partie de tableau, on ne trouve pas l'équipe de l'USMA. Ça c'est sûr, il va falloir cravacher dès la semaine prochaine pour arracher la décision à l'extérieur. Ça sera pas facile, et même si on voit que encore une fois, hein, sur ce coup franc par exemple, avec ce raté, cette passivité de la défense, il faudra se rassurer dans ce domaine et il faudra que ce soit bien meilleur la semaine prochaine. Voilà, merci en tout cas à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette première ici à Alger. On vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de Canal+ Maghreb. À très bientôt pour le foot, et d'ici là portez-vous bien. Salut.